Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Pourquoi je... Cette vidéo commence bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très intelligente de ma part puisque nous sommes en pleine canicule et j'ai décidé de vous faire un haul. Faut savoir que déjà en temps normal, quand il fait pas chaud, j'ai chaud quand je fais cette vidéo. Alors là, en pleine canicule, parce qu'il faut savoir, je n'ai pas de clim bien sûr dans ma chambre. Heureusement, je suis équipée, alors j'espère que ça va pas trop s'entendre, cette chose. Et surtout, le plus important, hashtag moustache qui transpire. Commençons tout de suite ce haul avec un site qu'on va tester, que je n'ai pas ouvert, un petit peu unboxing. Belizzo, c'est un site un petit peu comme Lupsona, ça m'a vraiment fait penser à ça. Vous avez des vêtements peu chers, des trucs hyper sympas. Je vous dis tout, vous savez, et franchement, j'ai pas du tout un bon a priori. Pourquoi, me direz-vous? La marque Belizzo m'a demandé de choisir, je crois, je sais plus combien d'articles. Ça fait super longtemps que je l'ai fait, du coup, je sais même plus du tout ce que c'est. Enfin bref. Et la meuf me répond, oui, est-ce que vous pouvez prendre autre chose parce que c'est plus un stock, tout ça. J'étais là, oh oui, je revais sur l'article et tout, je vois que c'est en stock, bref, je reprends autre chose. Et là elle me redit, vous pouvez prendre autre chose parce que la qualité genre n'est pas extra. La meuf m'envoie un lien pour que je choisisse hein, sur ce lien en fait. Genre là sur ce lien c'est sûr la qualité est top. Je lui ai dit que non, que s'il voulait qu'on travaille ensemble, je choisissais sur tout le site et pas que sur un lien. On m'a dit ok, je vais voir les patrons, tatati tatata, donc c'est bon, ça a été accepté. Mais voilà comment vous dire, j'ai l'envie du coup voir cette qualité, parce que franchement moi j'aime pas ça. Je veux, même si je reçois les habits gratuitement, pouvoir tester tout le site et pas que sur un lien spécial influenceuse, ça je le fais jamais, faut savoir. Hein. Donc voilà, franchement j'ai eu des petits coups de cœur sur des habits, j'aurais pas eu des coups de cœur, j'aurais pas travaillé avec eux, mais franchement je voulais quand même recevoir ces habits. Parce qu'il y avait l'air d'avoir de super trucs. Tout est dans un sachet comme ça. Vous avez marqué le nom ici. La livraison est d'environ 15 jours parce que ça vient de Chine. Commençons par le premier sachet qui me vient. Alors, franchement les filles, hein, vous pensez vraiment que c'est une robe? Là déjà ça commence très mal parce que c'est horrible. La qualité est vraiment horrible. Essayons, on jugera après. Bon, même pas je boutonne tout parce que franchement ça ne vaut rien. Mais ça je vous conseillerais jamais d'acheter ça, le tissu est horrible. Bref, passons au prochain article, mais là ça commence très mal pour toi Belizzo. Alors ça, putain mais je suis vraiment pas fan du tissu hein. Encore le tissu passe mieux quand même que celui-là. La forme a l'air plutôt jolie, essayons. Elle est mignonne quand même, elle est un peu longue, hein. Elle arrive au niveau des genoux. Je suis 1m60 aussi, je suis pas très grande. Passons au prochain article. Là c'est du tissu que j'aime. Petite robe noire hein, qui a l'air ma foi très jolie. Oh non, je n'y rentre pas. Mais franchement je suis dégoûtée parce que gardez-moi ça. Ah non mais j'aurais adoré. Vraiment, oh je suis deg. Après franchement la qualité des filles, vous avez des fils. Ah de ça, t'as des fils là, t'as des fils un peu partout quoi. Mais même elle aurait eu des fils, franchement c'est pas grave. Bref, passons à la suite. Petite robe, très simple. Mais si elle taille bien, elle peut faire très très jolie. Bon, cette petite robe, écoutez, j'ai rien à dire. Très mignonne, très simple. Franchement, ça c'est le genre de robe basique. Suivant. Ah, on retombe dans le tissu que je n'aime pas. Non, franchement, les filles là, je suis en train d'être dégoûtée de vous faire un haul sur ce site. Je n'aime pas du tout. Déjà là, maintenant, mon avis est fait. J'aime pas ce site, vraiment pas. Essayons du coup cette petite robe. Oh là là, tous les boutons attachés. Même comme ça, j'aime pas. En fait là, quand je vois ça, je me dis, ça aurait été moi comme ça en photo sur le site. Jamais de la vie, je prends ça. Franchement, à voir sur la meuf, mais sur moi, c'est horrible. Bon, c'est pas grave, continuons avec cette chose blanche. Ça, je l'essaye même pas. Non mais c'est un truc de fou, je peux pas arrêter là parce que sinon la vidéo va faire 3 minutes. Comment un site peut envoyer des choses comme ça? Ça fait très longtemps que j'ai pas vu des trucs aussi mal faits, aussi de mauvaise qualité quoi. Ouais bon ça, je l'essaye même pas. Passons à celui-là, franchement je suis dégoûtée les filles là. Ça... Ce haul est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un petit chemisier. Bon ça on va l'essayer parce que peut-être ça va bien rendre. Déjà j'aime pas le tissu non plus, enfin, bon ce petit haut écoutez ça peut faire très joli rentrer dans un jean taille haute, ça j'adore mais franchement après bon il m'a l'air un petit peu grand ici. J'aime le modèle comme ça mais non vraiment. Passons au prochain article mais franchement je suis dégoûtée alors que je n'ai pas payé mais j'imagine tu payes pour recevoir des choses comme ça. C'est une honte mesdames et messieurs. Petite robe, j'aime beaucoup le motif comme ça avec la ceinture.
Le tissu, ça va, ça passe. Hein. Non, celle-là, encore, hein, on dirait que ça va. Bon, cette robe est plutôt pas mal. Je crois que c'est la mieux hein, de tout ce qu'on a essayé. Elle est vraiment mignonne. Ça, c'est une robe que je mettrai. La longueur, c'est nickel. Donc, franchement, ça, je suis contente. Enfin. Et le dernier article. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une espèce de... Ben, on va le faire par-dessus, hein, on va pas s'embêter. Comment te dire, j'ai l'impression d'être la princesse de Monaco qui va à la piscine. Ouf, ouf. J'adore ça. Cet effet là sur la peau, sur une peau bien bronzée et tout, j'adore hein, ces effets crochetés comme ça. Après elle arrive, moi elle m'arrive aux chevilles hein. C'est quelque chose que je ne mettrai pas. Nous avons enfin fini avec ce site, my god, my god. On va passer maintenant à un level beaucoup plus supérieur en termes de qualité mais aussi de prix. Passons à Naked. Alors là j'ai tout ouvert parce que ça fait un petit moment que j'ai reçu la commande. Je l'ai glissé trop, ouvrir sur tout ça. C'est parti pour l'essayage, je vais vous essayer ça direct parce que c'est mon coup de cœur de l'année. Après franchement, bon, je l'essaye et je vous dis. La voilà portée, n'est-elle pas magnifique? Naked a fait une collaboration avec Chloé B et je me rappelle en fait, j'avais vu cette photo de Chloé B dans un café style comme ça, avec cette petite robe, j'avais trouvé magnifique. Mais genre quand tu vas sur le site et que tu vois la mannequin à porter, ben franchement je kiffais pas trop tu vois, parce que tu peux la mettre comme ça et moi vous savez, je n'aime pas trop comme ça. Je trouve que de suite ça change le style, là j'aime pas du tout. Que dès que tac tac tu sors un petit peu les épaules de suite, ça fait un autre effet. Par contre, parce que oui Léon, mais je crois que cette robe coûte 60€ à peu près. Excusez-moi de vous dire, mais à 60€ on ne veut pas une robe transparente. Parce que oui le tissu est transparent, bon pas énormément non plus, mais genre si tu mets une culotte foncée, on la voit direct. Et ça je trouve que c'est un peu scandaleux de mettre ce prix et que le tissu soit assez transparent tu vois. Après niveau longueur, elle m'arrive mi-mollet, elle est pas très longue. Je l'adore, je l'ai pas encore mis comme vous voyez, je sais pas quand c'est que je la mettrai, mais je la kiffe quoi. Ensuite, bah écoutez, on va mettre un ensemble direct. Je me suis pris un pantalon style tailleur et je vais le mettre avec ce haut. Peut-être je vais crever à manche longue, mais je suis vachement déçue de ce haut, vous allez voir. Alors je vous disais, ce haut beaucoup trop grand, là en fait je l'ai bien rentré dans le pantalon pour que ça tire comme ça. Si je le laisse, voilà, ça fait comme ça en fait. Peut-être qu'il met un peu grand, je sais pas. Après niveau des bras ça va, enfin bref. Passons maintenant au pantalon. Alors là pantalon c'est un gros coup de cœur. Je vous montre comme ça, il est hyper taille haute, ça j'adore. Et vraiment ce que je kiffe c'est qu'il sert bien à la taille. Parce que moi j'ai une taille qui fait du 36 et là je fais du 38. Mais du coup comme vous voyez il taille vraiment mais juste trop trop bien. Il est hyper classe, franchement les filles ça j'adore. Ensuite je me suis pris ce petit body, ça tâche par pression, il est très joli, j'aime beaucoup la couleur en fait, c'est un petit peu orange rouille plutôt, vraiment très très joli, rien à dire. Après mais un peu grand, j'aurais dû prendre du 34 je pense, donc si vous avez vraiment une petite poitrine prenez du 34. Hein. Et le dernier article de chez Naked, ce petit haut, bon là pareil je sais plus trop le prix mais je trouve le tissu un petit peu trop fin. Le voilà porté, franchement rien d'exceptionnel, je pense que ce haut je l'aurais essayé en magasin, je l'aurais jamais acheté quoi, je trouve que vraiment il est très très simple. Après c'est le genre de truc que je mets parce que je m'habille souvent très simple hein. Mais voilà, pas coup de cœur sur ce haut. Passons maintenant au prochain site, Misguided. Je vais commencer par vous montrer cette petite robe. Je cherchais absolument une robe en jean mais je trouvais pas la robe en jean et je pense l'avoir trouvée. La voilà portée, franchement c'est la robe que je cherchais, je l'aime tellement. En fait le tissu elle est de super qualité déjà, le tissu est épais et très stretch, du coup elle moule mais je trouve qu'elle met les formes en valeur, genre elle affine bien la taille, ensuite elle fait bien ressortir les hanches et tout. Non, j'aime beaucoup trop les petits détails, tout ça, elle est vraiment trop belle cette robe, je vous la conseille à 100%. Moi j'ai pris du 36, ça va que c'est stretch, sinon elle me serait allée trop petite. Je ne l'ai pas encore mis encore, mais je l'ai envie de la mettre avec une petite paire de baskets au top du top. Ensuite, alors ma petite folie en ce moment, c'est les combis pantalons qui arrivent mi-mollet. Alors pourtant, il faut savoir, je trouve que ça ne met pas du tout en valeur quand on est petite. Un truc qui te coupe la jambe, surtout quand on a des grosses chevilles comme moi, ça ne met pas du tout en valeur. Mais franchement je m'en fous, j'aime trop ce style et je vais pas me priver parce que j'ai pas des chevilles toutes fines. Donc voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup beaucoup. La voilà portée, alors j'ai l'impression qu'à la caméra elle ressort vachement rose. Mais non c'est quand même un vieux rose hein, plutôt. Moi je l'adore cette petite combi, elle m'arrive juste au dessus des chevilles. Ça ou avec des talons ou avec une paire de baskets, je trouve ça vraiment super. Je galère à trouver mes mots. Franchement gros coup de cœur sur le site Misguided, tout ce que j'ai pris c'est de la super qualité.
Bon, le prix, franchement, ça va, mais moi, je prends genre quand c'est en promo, hein, toujours. Passons au prochain article. Là, je vais vous essayer deux trucs en même temps. Je me suis pris un short taille haute, mais style évasé, style mom. Et on va essayer en même temps ce petit crop top. Donc, le short, c'est vraiment un style, ouais, à la cool, quoi, évasé, tranquille. Hein. J'aime beaucoup le derrière, comme ça fait les poches très en haut, et ensuite, ça part droit. Franchement j'aime beaucoup, après il est, ça se porte assez grand, j'ai pris du 36, hein. Genre le machin on peut le monter presque jusqu'à là quoi. Mais hop, au niveau de la taille comme ça, je trouve que ça fait un effet vachement cool. Et le mettre avec un petit crop comme ça qui pourrait être sexy, ben, je trouve que ça casse le côté justement sexy. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre un soutien-gorge parce que ça soutient bien. Les bretelles sont réglables, donc du coup là j'ai mis bien, bien serré et du coup ça me les soutient nickel. Pas besoin de mettre de soutien-gorge quoi, non franchement j'aime beaucoup ce petit ensemble. Et bien écoutez, nous avons presque fini ce haul. Je vais vous montrer juste deux petits trucs que je me suis pris sur Boohoo. Je me suis pris un petit short, je pense que je vais même pas vous l'essayer hein. C'est un petit short tout fluide pour l'été, voilà, rien d'exceptionnel quoi. Mais par contre ce que je vais vous essayer, en plus ça va trop bien aller avec le crop. Je voulais me la prendre en toutes les couleurs parce que je crois qu'il y avait plusieurs couleurs, donc j'espère qu'elle y est encore sur le site hein. Parce que je l'adore. La matière, tout, elle est très fluide. C'est une très très jolie petite jupe. Elle est vraiment hyper agréable à porter. Si vous cherchez ce genre de jupe, je vous la conseille à 100%. Donc voilà pour ce haul, juste avant, parce que je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question. Toutes les petites boucles d'oreilles que je prends, c'est chez AliExpress. La dernière, vraiment, je me suis pris ça à genre même pas 1€. On a des petites croix, des petits éclairs, ce que j'ai mis ici. Franchement, les filles, ne vous prenez pas la tête. Si vous voulez des petites jolies boucles d'oreilles à prix carrément pas cher, allez sur AliExpress quoi. Maintenant j'achète mes bijoux que là-bas. J'espère en tout cas que ce haul vous a plu. Moi je vous dirais, je suis dégoûtée. Franchement je suis dégoûtée à cause du site Bilizzo quoi. J'avais quand même mis, je me suis dit ça va, il va y avoir des beaux trucs. Mais bref, que voulez-vous, au moins grâce à moi vous savez que Bilizzo, ben, faut pas acheter dessus. Je vais vous laisser, je vais aller dans le frigo. Je crois je vais aller vivre dans le frigo je pense. On vous fait plein énorme à tous, de gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.